Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée de l'île d'Afrique. L'ancien chef de la junte militaire CNRD n'assiste plus depuis quelques jours au procès du massacre du 28 septembre 2009. Selon nos informations, le capitaine Moussa Dadis Camara ne se portera jamais. Il aurait été victime d'une brûlure au niveau du pied, accusé de complicité d'assassinat, de viol, d'actes de torture et de pillage commis lors de la répression d'une manifestation de l'opposition le 28 septembre 2009 et les jours suivants. Le capitaine Moussa Dadis Camara n'est pas à sa première maladie depuis qu'il est en détention à la maison centrale de Conakry à la veille de l'ouverture prochaine du vite événement du 28 septembre 2009 au stade du même nom, au moins 150. Cette personne ont été tuées et des centaines d'autres blessées et près de 109 femmes ont été violées selon le rapport d'une commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU. Eh bien les amis, ceci pour enfin cette publicité d'information. Restez abonnés, restez cotés à la chaîne, partagez avec vos amis, amis, familles, reconnaissance aussi de la chronique intéressante. À très bientôt pour un nouveau bulletin d'information. D'ici à la prochaine.